tout à l'heure à l'extrême ville. Fally Ipupa, mesdames et messieurs, a été plébiscitée dans l'année du 18 mai, mais artiste pour le compte de Trace TV Award. Et juste après, il s'était rendu à Durban, il s'est produit sur un même podium avec d'autres artistes internationaux. Mesdames et messieurs, on va retrouver en image ce qui s'est passé ce jour-là à Durban. Juste après, on va recevoir Eddie Badiada pour nous parler de prochaine production de Dicap, La Merveille, qui doit officiellement présenter son album Power au public qui nous a un public très très exigeant. Ce sera pendant 3 jours de suite. À l'occasion, ce sera également la sortie de sa fondation Fally Ipupa et qui va être accompagné d'un match de football avec des grandes stars de football du monde entier, mais également de l'Afrique. Eddie Badiata, bonjour. Bonjour, Amilena. Alors, Bouti d'Urban, c'est ça? Oui, Bouti d'Urban, avec la frontière. Ok. Comment ça s'est passé? Bon, Il y a Durban, c'est là qui MTV All-Star. Okay. MTV Award All-Star. Très bien. Ouais. Et les gars qui. Michel Mazaki Bélé, Badibin. Snoop, Two Face, donc Michel nous sommes avec Yana, donc tout le monde nous sort là après. Est-ce que les Congolais sont là? Les bras l'air. Fally Ipupa égale à lui-même comme d'habitude, mais l'événement que nous attendons maintenant après cette production à Durban, c'est la présentation de l'album Power, Badiata Tobeti Soulan tout à l'heure, et puis il s'était prévu le 15 juin à cérémonie et à fondation, et puis Macho et à Bandeko à Bengisaki pour nous relancer Mbaramon Kupina Pokwa Power, donc il m'a soulevé au moins 6 mois, là, juste ma date. Oui, bon, mon entier est que 16. Ils allaient match éliminatoire Coupe du Monde. Ils vont jouer nous sur base là-bas, match d'abord dans Morona Bango. Date est commis le 21, le 22, le 23. Le 21, le 22, le 23, à Wana, na Grand Hôtel. Présentation, il y a album. Ouais. Présentation, donc sortie officielle, il y a Fondation, il y a Fally. Et puis, joueur au Bazo, il y a joueur au Bazo comme le 20, Drogba, Rigobert Song, Yaya Touré. Baza plus de 10 joueurs. Bazo comme après match, Mongwana, il y a match, Botine Nabango, Vares Nabango, Fallait au Tekaba Blur, il y a ça, clip. Et puis, mon nom est un concert, tu es un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps.
Mais pour en a rectifié côté là bakati mon image parce que après on a Zeki Snoop du Tamataki américain. Oh a simbagi drapeau il y a Congo, fallait appeler ça drapeau à Congo. Na miso abatunye soa américain de simbagi. Très bien. Merci beaucoup Eddy Badiata. Donc je rappelle, ce sera le 21, le 22, le 23, ici à Kinshasa au Grand Hôtel, présentation de la fondation, sortie officielle de la fondation Fally Ipupa, présentation de l'album Power. Et ce sera avec la participation de beaucoup de joueurs qui vont se produire dans un match de football, un match amical. Ce sera au Shark Club. Le rendez-vous est maintenu pour ces trois jours pour avec Fally Ipupa, Dicap, la merveille. On va recevoir une dame dans cette émission. C'est la sœur princesse Kalonji. Bonjour. Bonjour. Alors, nous vous recevons, madame, parce que vous avez venu nous sortir une chanson. Oui. Une chanson pour la paix. Pour la paix dans la partie Est, évidemment. Au Congo en général. Au Congo en général. Et à l'Est en particulier. Et qu'est-ce qui vous a inspiré pour cette chanson qui est intitulée Kimia au Congo. Qu'est-ce qui vous a inspiré? En fait, je m'étais mise à leur place. Je me disais... Si j'étais dans cette partie de l'Est, sûrement que je n'irai pas au travail, sûrement que mes petites sœurs et frères n'iront pas à l'école. Mm-hmm. Et je me suis dit qu'on devait faire quelque chose pour ces nos frères et sœurs qui sont là. Et on donne ce qu'on a. Et moi, ce que j'ai, c'est la musique. Et j'ai donné ce que j'ai, c'est la chanson. Et j'aimerais que derrière cette chanson, qu'il y ait des gens qui vont s'aligner derrière moi pour dire que je vais soutenir les frères et sœurs qui sont à l'Est. Mm-hmm. Peut-être financièrement, matériellement, spirituellement, moralement. Voilà, c'est le peu que j'ai. On vous appelle sœur princesse Kalonji parce que prochainement, ou bien vous êtes déjà dans le monde musical chrétien. Oui, je chante déjà pour Dieu et je compte, si Dieu le veut, bientôt un album sur Adoration Plus. Ce sera vraiment rien que de l'adoration. Très bien, en attendant l'Adoration Plus, rien que de l'adoration avec la sœur princesse. Que nous remercions pour cette initiative de soutenir et encourager nos frères de l'Est à travers cette chanson Kimiala Congo que nous vous proposons spécialement pour vous qui nous suivez depuis la ville de Goma. Kimiala Congo. Congo, vraiment ton Congo, on a Congo, on
Mamma me, 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 mamma me